OK, parfait. Donc, avant qu'on commence notre documentaire sur la forêt interdite, j'ai fait quelques recherches à la bibliothèque et voici ce que j'ai trouvé. Il y a des vieilles photos des scènes de crime, des vieilles coupures de journaux. Tu les as bien comme ça, là? Oui, c'est parfait. Ouais? OK. Bon, ben, ça va être le temps d'y aller, là. On va attendre Simon dehors. OK. Pourquoi tu fumes encore? C'est pour un souvenir. Eh oui. Ah! Peux-tu me dire encore que tu lui as dit d'arriver? OK, c'est bon. Arrête, Max. Là, que... Il va arriver, je te l'ai dit. Il va arriver, il est comme toi. Yeah. Hein? Tu vois? Bon. C'est ça. Salut! Allô? Désolé, il y avait du trafic. Non, c'est pas grave. Eh oui, du trafic. Arrête, Max. Ça va? Eh oui, toi? Ouais. Cool. Bon, mais ça, on va aller. Voiture. Mm-hmm. On peut mettre Max. Pourquoi il nous filme? Ah, c'est pour son équipe. Ouais. Bon. Allez, les enfants, en voiture. Oui. Excuse-moi, Simon, est-ce que tu pourrais baisser le volume, s'il te plaît? Parce qu'on a... J'aimerais ça comme on commence à tourner. Là. Merci. OK, c'est bon? Oui, ça va. OK. Donc, nous voici en route vers Beaupréville. Le village a été baptisé ici en l'honneur de la première famille qui est venue s'y installer et qui le fait prospérer. Mais en fait, l'endroit recèle d'un terrible secret. Entre les années 1948 et 1954, pas moins de 14 personnes ont été sauvagement assassinées, puis on compte 10 personnes portées disparues. C'est bon? Je pense qu'il va falloir refaire. On verra ça sur place, c'est mieux. Max, tu filmes? Oui. OK. T'as eu le panneau, là, le panneau du village? Oui. Tu me niaises, là? Non. OK, non. Fais demi-tour, c'était là. Ah, quoi? Oui, fais demi-tour, puis on revient devant la maison que tu viens de passer. OK. Okay. Là, Max, tu filmes tout, hein, t'oublies rien. À vos ordres. Oh, c'est du... Donc, on se dirige actuellement vers la demeure de la famille Beaupré. La première famille est venue s'installer dans le village hier. C'est eux qui ont créé la plupart des emplois du coin. Donc, c'est pour ça qu'on a baptisé le village en leur honneur, Beaupréville. Comme vous pouvez voir, la demeure n'est pas habitée. Parce qu'après ce qui s'est passé, il n'y a personne qui a voulu venir vivre ici. Pourquoi? Bon, techniquement, la ville aurait acheté la demeure pour en faire un musée, mais qui n'a jamais ouvert ses portes. La vérité, c'est autre chose. OK, parfait. J'ai vu un cabanon en face. On va aller faire un plan là-bas. OK, ouais, on y va. Attends, Simon. OK, là, c'est parfait, Alexandre. OK. Vas-y. Donc, il y a une légende qui existe dans le coin, comme quoi les derniers descendants des Beaupré seraient morts suite à une mauvaise bière. Une mauvaise bière. C'est bon, Alexandre, vas-y. Il y a une légende dans le coin qui existe comme quoi les derniers des Beaupré seraient morts suite à une mauvaise blague de la part des villageois. Mais ils seraient revenus d'entre les morts pour se punir et venger, se venger dans le fond et punir les auteurs. Qu'est-ce que c'est ça, se punir, se venger? Ah! Parfait, Roxane, vas-y. Il y a une légende qui existe dans le coin comme quoi les derniers des Beaupré seraient morts suite à une mauvaise blague. Mais ils seraient revenus d'entre les morts pour punir les auteurs. Depuis ce temps-là, il habiterait dans la forêt qui longe la ville ici. Puis il serait responsable d'une quinzaine de meurtres atroces. Bien sûr, il y a la police qui a quand même essayé de mener son enquête sans succès. Ils n'ont trouvé aucune preuve, aucun coupable, rien de rien. Ils ont juste décidé d'interdire l'accès à la forêt depuis ce temps-là, puis dans le fond, de classer l'affaire comme si de rien n'était. C'est pourquoi nous, dans le fond, on va aller interroger les villageois juste avant de mener notre enquête dans la forêt. Parfait. J'ai dit deux fois dans le fond. Bon, ben, je vous laisse à vos petites affaires. Je vais prendre un café. À plus. Bon, salut, Simon. OK, ici, comme ça? Oui, c'est parfait. C'est bon, t'es prêt? Oui. Donc, nous voici à Beaupréville pour tenter de recueillir des témoignages et voir si les gens vont accepter de nous parler du dernier des Beaupré. Juste en regardant, Alexandre, madame vient de sortir de chez elle. Ah, OK. Excusez-moi, madame. Bonjour. Donc, nous, on tourne un petit documentaire sur le village. C'est parce que j'ai vraiment pas de petites questions. Écoutez, ça va prendre deux minutes même pas, là. Deux petites questions. C'est correct. Vas-y. OK. Donc, savez-vous si le dernier des Beaupré habite toujours dans la forêt ici? Madame? OK. Ouais, tu es partie, là? Ouais. On va essayer d'en trouver un autre. OK. La légende du coin. Mm. C'est le grand-père de ma femme qui me l'a raconté quand je suis arrivé au village. En fait, le dernier enfant des Beaupré avait quelque chose de bizarre. Il a grandi un peu à l'écart. Et un jour, pour ses 21 ans, quatre jeunes l'ont pendu à une branche. Une blague de gamin. Seulement voilà, la branche a craqué.
et le petit Beaupré s'est cassé les cervicales. Les jeunes ont pris peur et sont partis en le laissant comme ça, sans jamais rien dire à personne. C'est horrible. Deux semaines après, la police a retrouvé son corps. Les animaux lui avaient bouffé une partie du visage, et quelques morceaux par-ci par-là. Ok, puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, un des jeunes a fini par avouer. Mais les trois autres ont fui dans les bois. Deux jours après, on a retrouvé leur corps, pendu à une branche, et entièrement dépecé. Quoi? Mais dans le coin, il n'y a personne qui vous parlera de ça. Donc on se dirige toujours vers la forêt de Beaupréville, puis... Hein? Ah, arrête-toi! Quoi? Où ça? Il y a une madame là-bas, là. Elle fout la chienne. Ce serait écœurant pour elle d'aller la filmer pour elle poser des questions. Ok. Excusez-moi, madame. On fait un documentaire. Et puis, on aurait quelques questions à vous poser. Pouvez-vous nous dire... nous parler un peu du dernier des Beaupré? Allez-vous-en! 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 Je veux rien savoir! Okay, allez-vous-en! Allez-vous-en! Okay, viens! Je t'avais dit qu'il était fort! T'as pensé à changer la batterie? Oui, tout à fait. Ok. Tu pourrais peut-être l'économiser puis venir nous aider? À vos ordres, commandant. Voyez le pont derrière moi, c'est le seul accès à la forêt. Puis à ce qui paraît, selon les rumeurs, ça ferait plus de 50 ans que personne n'a mis les pieds ici. Voilà. Hey, vous rendez-vous compte, les gars, c'est comme on est les premiers à passer les chaînes. Dans les années 40, la police aurait retrouvé deux cadavres juste ici, en dessous du pont. Faut qu'on aille voir ça. Je suis pas sûr, là. C'est quoi, t'as peur, Simon? C'est une blague? Max, ok. C'est ici qu'ils auraient retrouvé les deux cadavres. Et c'est bon, filme les alentours, là. C'est quoi ça? C'est sûrement le vent. Sens du vent, toi, Roxane. Ok, Max, faut aller plus loin encore. Fait qu'économise la batterie, on va reprendre le tournage là-bas. Ok. C'est ici qu'on a retrouvé les trois corps des jeunes villageois. Dans le fond, ils étaient pendus par les pieds, complètement dépecés, puis il y avait un sac qui leur recouvrait la tête. C'est vraiment glauque. C'était le vent, ça, Roxane? Ok, Max, regarde-moi. On est dans le bois, il fait noir, fait qu'il y a toutes sortes de sons, ok? Décroche. Bon, Simon, on va voir, c'est ça. C'est quoi, ça? Oh shit! Hein? On aurait dit une main! Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te mens pas! Ok, t'es pas drôle là! Viens voir ta caméra! Je suis seul à penser que si la forêt est interdite, il y a sûrement une raison pour ça. Ben quoi? Je suis seul à penser qu'on devrait pas être là? Non, bref, moi j'en ai assez. Regarde-moi, ouais. Simon, c'est correct, alors, tout va bien. Mais c'est non, voyons, Simon, viens ici, hey! Bon débarras. Ok, ta gueule. Simon, viens avec nous. Ouais, écoute, Roxane, arrêtez pas de chialer. Oh, Max, tu me fais chier, pour vrai. Whatever, ok, viens, regarde, on continue, c'est bien. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on tourne en rond dans la forêt.
vraiment une perte de temps. Ouais. Attends, Roxane, va pas trop vite. Roxane, attends à moi. Je te vois plus, là. Là? T'es où? Je suis ici. Ok. T'as entendu? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vois. Attends. Mais non, c'est là une malle, Max. Roxane, c'est parce que je sais plus où est-ce qu'on est, là. Roxane! Roxane, t'es où? Arrête de niaiser, Roxane! C'est pas drôle, là! T'es où? Oh! 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 L'aide! À l'aide, quelqu'un! À l'aide! Oh, Simon! Oh. Attends, je vais t'aider!